des présages pour le moins pessimistes. Si le prince Harry et Meghan Markle vivent le parfait amour depuis de nombreuses années maintenant, certaines personnes ne croient pas en la pérennité de leur couple. C'est notamment le cas de l'ancien ministre du Travail britannique, Chris Mullin. En effet, ce vendredi 12 mai, l'Independent a dévoilé quelques extraits de son prochain ouvrage, Didn't Used to Be Chris Mullin. Dans son récit, l'ancien politique, devenu chroniqueur, a expliqué dans ses mémoires avoir peu d'espoir concernant l'avenir du couple entre le prince Harry et Meghan Markle. Selon ses dires, la mère de famille serait clairement le principal moteur du couple tandis que son époux serait, quant à lui, le second violon. Concernant la raison de leur potentiel divorce, l'auteur a expliqué qu'il serait dû aux nombreux caprices de l'ancienne star de Suits. Et après la séparation, le frère du prince William devrait, selon l'expert toujours, revenir en boitant au sein de la famille royale lorsque son mariage se terminera en larmes. Des prédictions qui risquent de ne pas plaire aux principaux intéressés. Supérieur à supérieur à prince Harry et Meghan Markle, les 90 moments marquants de leur mariage et Harry et Meghan divorcés dans 3 ans? Un expert balance. En mars dernier, l'expert en royauté Tom Bower avait déjà partagé, auprès de Gala.fr, quelques confidences concernant l'avenir du couple entre Harry et Meghan. D'après ses dires, l'actrice américaine risque, dans les prochaines années, de s'ennuyer de son époux. Tout le monde dit qu'elle s'ennuiera avec Harry. Je pense qu'elle va rester avec lui, mais je suis une minorité en Amérique, tout le monde pense que d'ici 3 ans, ils seront séparés, avait-il assuré. En cas de divorce, que va-t-il arriver au prince Harry? Seul, le prince Harry sera accueilli les bras ouverts, il retrouvera son titre, ses fonctions dans l'armée, etc. Avait-il poursuivi? Ce divorce, c'est l'espoir ici, au Royaume-Uni. Crédit photo, Background UK.